Et bonsoir à tous, c'est Aplixo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Fallout 4 en mode survie. Donc, pour le moment, je pense pas qu'on soit assez puissant pour aller à l'usine du Corvilla. On n'est pas assez puissant, ça va pas le faire, je le sens pas. Donc ce qu'on va faire, c'est remonter vers la ferme des Abernathy. Et avec un peu de chance, prendre un ou deux niveaux en route. Et pendant qu'on est en route, on a forcément rencontré un petit événement. Je vais pas prendre le risque de rentrer dans le bâtiment parce que à ce niveau-là, je pense qu'il pourrait me one-shot littéralement. Donc, je vais plutôt les abattre de loin. Je sais pas si Trudy me donnera une récompense, mais je vais le faire quand même. Ouah, ça l'a pas tué. Je pensais que ça allait le tuer. On va passer au critique direct. C'est trop dangereux, je pense que ces mecs sont capables de m'abattre assez facilement. On va éviter de perdre quelqu'un, voilà. Ça s'est passé pas trop mal. Et surtout, ils ont des bonnes armes, je pense. Où il est leur chef? Où il s'est foutu? Où est-ce que je l'ai réduit en poussière? Ah, juste là. Je marchais dessus depuis tout à l'heure. Ah, revolver de fortune. Puissant. Je prends, on sait jamais. Ah, donc elle me donne quand même la récompense. C'est cool. Merci. Et level 7, yes! Là, vous le savez, je peux pas faire sans. Nomade solitaire, j'ai pas le choix, sinon je peux rien porter. Ah, il faut que je tente. Il fallait que je tente. Maintenant, Molotov. Aïe. Je passe aux pistes. Oh, je vais laisser. Non. Mauvaise idée. Oh, rien à foutre. Un combat, des chiens. Courir. Une mouche, on s'en fout. Deux mouches, trois mouches. C'est la merde. Ah oui, quand même. Une. Je l'ai eu, je m'en fous. J'ai de quoi tirer. Raté. Une et une autre. Oh la vache. Gravement touché. Je vais me faire buter par des mouches. Il me faut juste un tir. M'en fous, je l'ai eu. Je viens de manquer de me faire tuer par 4 mouches. Je me sens faible. Je me sens en danger. Le mec, il est derrière, dedans. Visiblement, il était derrière. Ouais, des meilleurs prix. Wow, ça vient de me faire quasiment mon niveau. Après ce qu'on vient de se taper, est-ce que c'est bien raisonnable? Déjà dormir, c'est raisonnable ça. Je pense que c'est absolument pas raisonnable d'aller au campement. Mais je m'en fous, j'y vais quand même. Une mouche. Je hais les mouches. Je sais pas ce qu'il y a dans cette maison. Oh! Bingo. C'est toujours bon à prendre. Je sais pas ce que c'était que ce bruit. Me dites pas que c'est une tempête qui est en train de... Ce serait bien une tempête de radiation qui est en train de m'arriver sur la tronche, là. Le jeu veut me tuer avec des radiations. Et il va y arriver au bout d'un moment. Est-ce que je ferais pas mieux de rebrousser chemin et de retourner chez les Abernathy? Non, ça va aller. Pas, j'aurais peut-être mieux fait en fait. Parce que là, je ne sais absolument plus où je vais. Ah! Problème. Là, c'est un souci. La falaise! Ouais, c'est bon. Ah, tu peux pas me suivre, hein? Tiens! Tiens! Ah si! Oh. Ah! Ah bah non, pas les pillards en plus! Un paquet de pillards. Donc ok, par là-bas, mauvais plan. On va rentrer à Sanctuary. Et vous savez quoi? Je l'aime bien, ce petit flingue. Il est peut-être pas très efficace, mais je l'aime bien. Je vais peut-être essayer de l'améliorer. Qu'est-ce que... Attendez, ne me dites pas qu'il est... Preston! Qu'est-ce que tu fous là?
Tu prenais un petit bain de radiation? Ce mec est bizarre. Il est bizarre. Je veux même pas en entendre. Non, c'est bon, Preston. Tu es bizarre. C'est bien, t'es à ton poste cette fois au moins. La culasse renforcée serait vraiment bien. Il me manque juste un adhésif. Quelque bonjour. Chose vous lie à cet endroit. J'habitais un peu ici, oui. Prends ton jet. J'en ai sur moi. Ah, vous aimez ça, vous aussi, hein? Non, pas du tout. Et maintenant, Diamond City détient des réponses. Vas-y, plane. Ça m'a fait plus d'effet que d'habitude. C'est ce qu'on me dit sous... Non. Vers Diamond City, hein, peut-être rencontrer les premiers de... la confrérie de l'acier, hein, pour le moment, mais... J'aimerais bien être mieux armé pour descendre dans cette zone-là, mais le jeu veut pas. Ah, je pensais pas qu'il y avait une tique ici, je pensais pas qu'il y avait une tique. Hop. Je me sens puissant quand même avec ce truc-là. Hein. Y a pas à dire, je me sens puissant avec. Je me sentais pas du tout en sécurité, donc on va dropper une petite save ici. Puisque c'est sur le chemin. C'est l'avantage d'avoir des petits campements un peu partout. Hop, dormir une petite heure. J'espère ne pas être malade encore. J'avais pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe à mon niveau. Ah, pistolero. Un niveau de pistolero, plus de dégâts. Plus de dégâts, je peux que faire avec. Je pense qu'on va... On va contourner l'usine de Corvega. Et arriver ici. Je pense que c'est un bon plan. Je pense que c'est un bon plan. C'est probablement pas un bon plan. Alors, ce petit coin-là, je sais qu'il y a des rats de cafard. On va prendre l'XP qu'il y a ici. Je vais y aller au 10 mm parce que j'ai plus de munitions de 10 mm. J'ai plus de munitions. Hop. Donc, après avoir nettoyé ces quelques cafards, on repart sur la route. Ah, la fréquence. La fréquence. On l'a. Alors, la bataille a lieu, mais avant, parce que je suis pas fou. Double canon. Je veux gratter un peu d'XP dans le tas. Qui s'est amusé avec une bombe atomique? Donc, je suis de retour au commissariat. C'était la violence. Je me suis fait ouvrir. Mais c'est pas grave. Je m'en fous. Je reste derrière ce truc et j'abats tout ce qui passe. Sérieusement, ça a pas marché là? Comment tu fais pour le rater? C'était compliqué, mais ça le fait. Je vous remercie pour votre aide. Mais pouvez-vous me dire ce qui vous amène ici? Sarcasme. L'équipe d'extermination des nuisibles, monsieur. Il paraît que vous avez un problème de ghoul sauvage. Vous trouvez ça drôle? Je suis le paladin Dance. Oh! Et là, très dramatique. Hélène et le cheval. Ouais, ouais. Allez, je récupère du matos dans le commissariat. Mais avant, trahis de la confrérie. Non, pas... J'espérais pouvoir récupérer son armure, mais visiblement il en avait pas. Paladin Dance. Pouvons y aller? Attends deux secondes. Je viens de voir un lit derrière toi. Je prends. Oh non, sérieusement! Bon. Antibiotiques, là y'a pas le choix. Comment tu te sens, mon grand? C'est juste une égratignure. Oh la classe! Ah ouais? Oui, bah, j'avais remarqué les ghouls hein, à Cambridge, merci. Deux secondes, je loot. C'est bon, on peut y retourner. Ça va, Dance? Ça va? Tu viens de te faire un campement à toi tout seul. Ça va, t'es fier de toi? Tu veux te faire les mouches? Non, tu veux pas? Chut. Ah si, il veut se les faire. Bah oui, j'ai entendu. Vu le bruit que tu fais... L'avantage de cette mission, c'est qu'il peut presque la faire tout seul. C'est pour ça que je prends pas trop de risques. Je reste derrière et il nettoie. Écoutez-moi bien. Pas d'étincelle, d'accord? Je veux de la prudence et de la discrétion. Pas besoin de jouer les héros. Ok, c'est compris. Compris. Formidable. N'oubliez pas, notre cible prioritaire est l'émetteur longue portée. Concentrez-vous et faites attention aux lignes de tir. Je n'ai pas envie de me prendre une balle perdue entre les omoplates. Bah là tes omoplates j'y ferai pas grand chose là hein. Vu ton armure j'y ferai pas grand chose, je te rassure. Ces robots ont été attaqués par des synthétiques de l'institut.
Ouais, non. Il a allumé sa lampe. Il faut qu'elle soit rouge, sinon c'est pas drôle. Ici, ce terminal qui n'est pas verrouillé nous permet de changer automatiquement les mots de passe. Donc on a le mot de passe. Et hop. Sauf que je viens de me rendre compte que j'avais pas préparé mes grenades. Je crois qu'on a de la compagnie. Cadeau les mecs. J'attaque la cible ennemie. Boum. Mission accomplie. Pour la confrérie. Ça, c'est fait. Ça a fait le bruit de quelque chose qui meurt. Wow. Wow. Tu te démerdes. Tu te démerdes. J'ai manqué de crever. Donc tu te démerdes, Dance. Hein? Tu te démerdes. Pas par là. Non. Tu dis ça maintenant alors qu'on vient de s'en taper 10 là. Attention. On a couvert le paladin pour le moment. Des munitions de 10 mm, je prends toujours. Il est passé où? Ah, il est là, d'accord. Pour le moment, tout se passe. Pourquoi je suis passé devant? Repasse devant. Je me sens pas en sécurité quand t'es derrière. Pas parce que tu vas me tirer dessus, hein, pas parce que je suis en mousse. Eh, hey, laisse-moi passer, je veux voir. Essayez de rétablir le courant dans le complexe. Il doit bien y avoir un générateur auxiliaire quelque part. Allez explorer la zone de maintenance. Hey, on explore la zone de maintenance. Oh, un junk jet. Ouais, mais non, mais j'ai pas la force pour le porter. Toi, je t'entends. Est-ce qu'on peut remettre ça en marche? Ça y est. Wow! Alimentation du réacteur rétablie. Je crois que nous avons un problème. Moteur ouais. Thermique alimenté. T'as un problème. Pas moi. Commande validée. Tiens bon, ça va le faire. Mise à feu dans. Tu vas les avoir. 5. J'ai l'impression qu'il en prend quand même vachement plein la gueule. 3. Hein. Et il tient bon quand même, hein. Et ils sont nombreux, hein. Mise à feu, quoi. Mise à quoi. Allez. Ça marche bien, hein. Ça va, Dance? Ça va? Mise à feu expérimentale terminée. Rapport d'efficacité 96,7%. Oh, c'est pas vrai. Vous ça va, Dance? J'ai l'impression d'avoir été passé au barbecue, mais j'ai été sauvé par mon armure assistée. Le plus important, c'est que nous soyons encore en vie. Et les mettre à portée de main maintenant. J'ai essayé de te cramer. Quand même. Ascenseur? Non, je veux monter là, pas descendre. On passe pas à deux avec ton armure. Tu... Non, en fait, c'est bon, tu peux passer devant, en fait, j'ai rien dit. Chut, j'ai entendu quelque chose. Sans deck. Grenade. Je me le fais. Ouais, niveau 9. Alors, le level up en plein combat, parce qu'il n'y a pas de respect. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que prendre le premier niveau de fin d'alarme sera pas perdu. J'aurais pu prendre Scrapper, mais le premier niveau de fin d'alarme sera déjà bien. Je pourrais faire les nouvelles culasses et autres. Et ben voilà. Tu vois que tu te débrouilles. Ah, j'aurais pu looter tous les cadavres en bas. Pour avoir plus de munitions. Je pourrais. Ouais, je pourrais.
Oh, des cartouches. Grenade, mine. Ouais, non, ça, je vais m'en passer. Laisse passer. Émetteur longue portée. Partons d'ici. Nous allons prendre l'ascenseur de service pour rejoindre la surface. Munitions. Y'a personne là-haut. C'est bon. Et la porte Skyrim. C'est la, ça, c'est la porte Skyrim. La porte qui te remet à l'entrée. Enfin, ou qui te remet à l'entrée. Celle-là, mais elle remet pas à l'entrée, il me semble. Elle nous remet dehors. Hein. Ou juste à côté. Tiens, j'ai faim. J'avais pas vu. Wow, t'es rapide. Bon, ça suffit pas pour manger, mais je trouverai à manger. Canigou a trouvé quelque chose? Canigou? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fous là? Non mais... Par ici. Va, va là. Qu'est-ce qu'il fout? Quoi? Hey. Comment ça va, mon vieux? Tu retournes? Allez, file. Attends-moi à la maison. Sauf que la maison, pour le moment, c'est le Starlight Driving. On peut dire qu'on a eu chaud. Ouais, on a eu chaud. T'as vu, il y a un chien entre tes jambes. Je trouve une belle équipe. Une belle équipe, vous et moi. Affirmatif. D'habitude, les civils sont incapables de suivre des ordres simples. C'est un changement agréable. Il nous reste deux points importants à régler. Première chose, si vous voulez bien me remettre l'émetteur longue portée, j'aimerais vous récompenser pour votre rôle dans la réussite de cette opération. Je pense que cette arme vous donnera entière satisfaction. C'est un fusil laser standard de la confrérie, modifié par mes soins. J'espère qu'il vous sera utile. Et voilà, on a récupéré l'autorité des justes, qui est le fusil laser parfait pour le build qu'on a, qui est un build de critique. Et ça, c'est le top. Pour les armes laser, on va être, ça va être nickel. Merci. Merci. Vous l'avez bien mérité. Et pour le deuxième. Ouais, bien mérite. Ouais, je t'ai cramé. J'ai tué deux synthétiques. Je sais pas si je l'ai vraiment mérité. Et on rejoint la confrérie de l'acier parce que c'est ce qu'on a besoin pour cette run. Ouais, on va retourner. Pourquoi tu vas vers les. C'est pas grave. T'as une armure. Tu vas t'en sortir. Bon. Allez, on retourne à Cambridge maintenant, en espérant qu'on va pas se faire attaquer par une bestiole en route. Oula! Canigou! Laissez-moi partir. Je vous jure que vous me reverrez plus jamais. Les enfoirés de l'Institut nous ont envoyé cet espion pour nous surveiller. Pardon. Restez où vous êtes. Ça vous concerne pas. Je vous en supplie. Ça, aidez-moi. Ça me concerne ils pas, mais. Ta gueule! Laissez. On va essayer de négocier. Calmez-vous. Sûrement trouver une solution. Ne faites pas de bêtises. Mon cul. Ce synthétique nous espionne depuis des semaines. Il en sait trop. Si on le laisse partir, il va rappliquer avec ses copains de l'Institut pour nous massacrer. Pourquoi en prendre ce risque? Laissez-le partir. Il vous a rien fait? Réfléchissez un peu. Ça passera jamais. S'il voulait vous faire du mal, il l'aurait fait depuis longtemps, non? Ça passera jamais. Attendez juste le bon moment. Ça a pas passé. Et je m'en fous. Cette abomination doit mourir, point barre. Je me casse. Je peux rien faire, je me casse. Je veux pas être responsable de la mort d'un innocent. Ah, mais merde! Ah bon, bah... On débarrasse à la synthétique. C'était pas un synthétique. Ah si, composant synthétique, c'était vraiment un synthétique. Il avait pas l'air si terrible. Bah non, ils sont pas méchants. Enfin, pas tous, je crois. Pas sûr. Bah si, ils sont tous méchants. Si, confrères de l'acier, ils sont tous méchants, ils doivent tous être exterminés. C'est bien. Bah non, c'est bien. On récupère la petite ferme qui est ici. Je viens de la voir au loin. Grey Garden. Le jardin uniquement tenu par des robots. C'est assez space. Il y a une bagnole qui a explosé. J'aime pas le principe.
C'était pas là quand je suis passé tout à l'heure. Si, c'était là. Bah, visiblement, c'était là. C'est les pneus, en fait. Wow, explosion. Sûrement une goule sur une mine. De vous voir sain ici. Vous avez une bonne. Comment il a fait? Mission accomplie. Je peux pas m'empêcher, faut que je sois sarcastique. Désolé. Allez, on est tous amis ici. Vous voulez un gros câlin pour faire la paix? Vous pouvez jouer les durs tant que vous voulez, ça prendra pas. Il faudra plus qu'une seule petite mission pour m'impressionner. Rhys, ça suffit. Vous allez devoir apprendre à travailler ensemble, que ça vous plaise ou non. Et vous? Vous allez devoir comprendre ce que rejoindre la confrérie implique. Nous ne sommes pas une bande de soldats du dimanche qui jouent à la guerre. Nous sommes une armée disciplinée, soumise à un code moral des plus stricts. Si vous voulez rester parmi nous, vous devrez suivre nos préceptes à la lettre. Et voilà, on fait partie de la confrérie. Mais il est où le matelas? Bon. Je peux dormir une petite nuit. Enfin, une heure. Mes nuits sont des heures. C'est plus simple. Et sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, mettre un petit pouce vert et commenter en dessous de la vidéo, ça me ferait plaisir. Et sur ce, merci à tous et à dans la prochaine vidéo. Oh, oh oui. Ah, ça c'était épique.